suis foiré, mais t'as deviné ou pas? Ouais. La chèvre. Non, c'est pas ça. Bah, dites-nous dans les commentaires et essayez de trouver. Comment tu vas? Waouh, on inverse les, ouais, les codes. C'est bien comme ça, c'est. C'est original. T'es forte en blind test? Ça dépend, hein, franchement. Attends. Mais je sais pas, on aurait dit un Star Wars, non? Comment ça va, Oshi? Ça va et toi? Bah, ça va super, écoute. Je te présente Chicol. Salut. Salut. Alors, on veut tout savoir de toi, hein, évidemment. Ton rapport à la musique, par où ça commence, pourquoi, comment, où, avec qui? Ben, ça commence à 6 ans, avec mon piano que ma mère m'a acheté. Je tombe amoureuse de la musique en fait, j'écoute des vinyles en boucle, j'essaye de faire des notes. J'apprends le piano pendant des années, mais je chante pas, je suis vraiment juste comme ça, une gosse qui fait du piano. T'es inscrite à des cours ou tu fais tout seul? J'ai une prof, ouais, je comprends rien au solfège, donc du coup je fais tout d'oreille. Et après, à l'âge de 15 ans, je tombe sur une guitare sous le lit de ma grand-mère qu'elle m'avait achetée. Et à l'époque, je sais pas pourquoi, j'avais pas spécialement été attirée par cet instrument. Je tombe amoureuse en fait, j'ai envie d'écouter, de jouer tous les morceaux que j'entends. Mon père, c'est un ancien punk, du coup, il me fait découvrir tout le mouvement punk aussi, tout The Exploited, voilà, les BRU, ah ouais. LSD, tu vois, des trucs comme ça. Et mes grands-parents, des grands amoureux de Jacques Brel, donc ils me font découvrir toute la chanson française. Et c'est là que le bordel a commencé dans ma tête. D'accord. Donc en gros, d'un côté, t'avais plus des lyricistes, on va dire, et de l'autre côté, l'énergie. Bah, j'avais Brassens et les Sex Pistols, quoi, donc ça faisait c'était un bordel. Mais c'était le même fond. Certains se révoltaient par musique et d'autres par des mots, et du coup ça m'a créé ma culture musicale en fait. Il y a un moment où ça switch, où tu te dis j'ai envie de faire de la musique dans ma vie? Ouais, ça switch justement quand j'ai trouvé cette guitare. J'écrivais déjà quelques poèmes, j'adorais écrire depuis toujours, et je les ai mis en chanson en fait avec cette guitare, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais chanter, quoi. Waouh. Enfin, que j'aimais en tout cas faire de la musique, pas forcément chanter, mais que j'aimais en tout cas composer et que ça sorte par la voix, quoi. Mais est-ce qu'il y aurait un morceau qui t'a vraiment donné envie de faire de la musique? Ouais, c'est Smells Like Teen Spirit de Nirvana, parce que c'est... On est de la même team sur ce coup-là. J'ai l'impression que c'est la réponse que je donne à chaque fois, mais c'est... Mais ouais, je me suis sentie libre en écoutant ce titre, en fait. Tu te souviens de la première fois que tu l'as entendu ou pas? Ouais, en fait, j'ai vu les vinyles de Nirvana avec mon père, en fait, parce qu'il adore les vinyles. Du coup, j'ai vu un bébé tout nu, j'ai trouvé ça drôle. C'est vrai qu'elle est incroyable, cette pochette. Ouais, franchement. Et du coup, j'ai dit, c'est quoi? Oui, il m'a mis tous les vinyles et puis j'ai bugué sur ce titre. Hein. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une version de ce titre? Allez, c'est parti. C'est parti entre fans, parce qu'on a la même réponse tous les deux. Allez. Vas-y, c'est parti. Load up our guns and bring your friend. It's fun to lose and to pretend. She's overbought and self-assured. I know. I feel stupid.
On peut tous l'applaudir. C'est trop cool. trop cool. Merci à toi. Trop bien. Pour cette interprétation incroyable. Franchement, j'adore ce titre. Enfin, je pourrais l'écouter mille fois, donc le chanter, c'est trop cool. Je sais pas si toi... Moi, j'écoute beaucoup de versions de ce titre différentes. Oui, il y en a beaucoup plein, de covers. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est une grande chanson. C'est que peu importe par qui c'est repris et comment... C'est clair. Toujours c'est incroyable. Bah, en fait, elle passe toujours, quoi. Bah, enfin, ouais. Peu importe l'intention, donc c'est cool. Alors, tout à l'heure, on parlait de tes premiers émois musicaux avec ta guitare, etc. Du moment où tu as voulu faire de la musique, mais à quel moment ça a switché et t'es devenu plus ou moins Oshi? Il y a eu plein d'étapes, en fait. Finalement, j'ai direct choisi ce nom. Déjà à 15 ans, ouais. J'ai ce nom de scène, je l'ai toujours eu, parce que d'où à ma passion pour la culture japonaise. Mais finalement, le moment où vraiment je me suis dit « Ok, c'est ça que je veux faire », c'est ma rencontre avec Indochine. Je me suis sentie encore une fois libre en les écoutant, et c'est la deuxième fois que je ressentais ça. C'était avec cette chanson, du coup, College Boy, en fait, qui m'a complètement... C'était une période difficile de ma vie où, bah, du coup, mon homosexualité n'était pas trop acceptée, où je m'en suis pris plein la gueule, clairement. Et du coup, cette chanson, m'a sauvée. Bah, je me suis sentie libre d'aimer qui je voulais, et surtout libre de le dire. D'accord. Et du coup, c'est grâce à cette chanson, ouais. En fait, elle t'a libérée un peu, quoi. Mais elle m'a libérée, inspirée et m'a rendue plus forte, surtout. Tu la performais ? Jamais. Tu l'as jamais performée ? Jamais. Je jouais dans la rue à une époque, donc je reprenais quelques titres d'Indochine, mais jamais celui-là. Et je sais pas pourquoi. Quoi. Donc c'est une vraie exclue que tu nous offres. C'est une exclue, là. Incroyable. Je suis stressée, là. On se fait une version ? Allez, c'est parti. Je voyais. J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. J'aime pourtant tout leur beau monde, mais leur monde ne m'aime pas, c'est comme ça. Et souvent j'ai de la peine quand j'entends tout ce qu'ils disent derrière moi. C'est une première cool. Alors. Ouais, la première fois. Incroyable. Bah, j'ai sorti le banjo pour le coup, tu vois. Mais c'est trop bien. Il est bien pour les premières. Tu vois, il est bien, il est très festif. Beau. J'aime bien le mood, quoi. c'est original. Et donc, suite à ça, nous, ce qu'on veut savoir, je sais que t'écoutais plein de trucs par le passé, mais qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui, en fait ? J'écoute beaucoup d'urbain, évidemment, genre à peu près tout ce qui sort. En fait, j'écoute toutes les sorties du vendredi. Mais j'avoue que mon coup de cœur de l'année, vraiment, c'est Benjamin Biolay. Je me rappelle souvent quand j'étais gosse, j'allais chez une amie, en fait, et sa mère était fan de Biolay. D'accord. Elle écoutait Biolay, et en fait, moi, discrètement, j'écoutais, en fait. Alors que ma pote, elle était là, mais non, c'est pas bien, et tout. On était ados, on avait 14 ans, et moi, je trouvais ça génial, quoi. Et j'écoutais. Secrètement, alors. Bah, j'avais pas honte. Hein, j'avais, toi, t'avais pas honte. Ma pote, oui, ouais, moi, ouais. Non. Moi, j'avais pas honte du tout. J'écoutais Ton héritage en boucle, et ça m'a fait. Tomber encore plus amoureuse des textes, quoi. C'est une grande personne, je crois. Tu penses que ça t'a influencé dans ta musique, ton travail ?
Ouais, parce que je me suis dit, ok, il arrive à incarner notre époque tout en traversant les époques, en fait. Ouais. À travers ses albums, il a autant fait des chansons vraiment très variétées, comme des chansons beaucoup, des albums beaucoup plus rock, comme son dernier, et avec des touches d'électro. Enfin, je trouve qu'il a quand même un univers qui est hyper vague, et du coup, je trouve qu'il incarne bien. Il a même touché à des arrangements un peu hip-hop. Un peu, ouais, je crois même qu'il a fait une chanson auto-tunée. Ouais, vrai. Voilà. Mais franchement, ouais, je trouve ça cool, parce qu'il ose. C'est comme s'il n'avait pas d'âge, quoi. Ouais, c'est vrai. Il vieillit pas, en fait. Il vieillit pas, non. Il rajeunit. Quel titre tu veux qu'on fasse? Bah, Comment est ta peine. Allez. Ok. Vas-y, c'est parti. J'ai lâché le téléphone, comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. J'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais savais que j'étais fait, que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères moi. J'ai fait le bilan carbone trois fois, puis parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais car tu ne l'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va. Très beau morceau. J'adore ce morceau, vraiment, franchement. Il écrit bien. Hein. Ben ouais, franchement, il écrit très bien et je trouve qu'il se dégage, même au niveau des arrangements, du tout. Enfin, là, c'était cool, la reprise. Ouais. Bah, du coup, c'est une chanson qui est cool parce qu'elle passe par, encore une fois, quand, via ses arrangements et via cela, c'est cool, j'aime bien. Tu sais quoi? On veut te confier à la fin de l'émission. Ok. On fait ce que tu veux maintenant. On va faire. Du coup, un de mes titres. Et on va faire le dernier titre du deuxième album. Du coup, l'album Sommeil Levant, et on va faire Médicament, non? Faisons Médicament. Mais avant, j'avais une question. Ok. Entre le premier et le deuxième album, il s'est passé combien de temps? C'est passé une tournée, en fait. Enfin, j'ai écrit dans le bus. J'ai écrit dans le bus, en fait. J'ai fait un mini studio dans ma chambre de bus. La dernière date a eu lieu, et une semaine après, on était en studio. J'ai pas pu m'arrêter. D'accord. Ça a été plus dur, le deuxième, que le premier ou plus naturel? Plus naturel, en fait. Plus naturel. Parce que le premier, c'était un peu « Salut, j'existe ». Et là, finalement, le deuxième, c'était « Fallait que je dise tout ce que j'avais pas pu dire dans le premier album ». Parce que j'avais fait 150 dates avec le premier album. Et j'étais épuisée de cet album que j'adore. Hein. Mais finalement, j'avais plein de trucs à dire et que je pouvais pas dire parce que c'était pas le sujet sur le premier. Donc ça m'a libérée, limite, le deuxième. Moi, c'est un compliment que je vais te faire, mais j'ai rarement entendu un deuxième album aussi réussi d'un artiste qui était quand même presque triple platine sur le premier. Ouais, c'est ouf. Donc c'est un gros pop, tu vois. Et en général, le deuxième album, c'est dur comme virage. Et là, j'avais l'impression que c'était la continuité parfaite de ce que tu pouvais faire. Enfin, c'était un mélange parfait de ce qu'on pouvait attendre et de... Bah déjà, merci, voilà. Hein, c'est trop cool. Ouais. C'est trop un beau compliment. Mais et franchement, non, ces dates-là, en fait, ces 150 dates, elles m'ont permis à savoir où je voulais aller. Ça m'a servi, la scène, en fait. J'ai regardé la réaction des gens et il y a des moments où je voulais dire des trucs et je pouvais pas parce que, voilà, c'était pas le sujet, quoi. Et du coup, ouais, je me suis aussi libérée, je pense, en même temps. Bon, au final, le premier était plus évasif sur moi
Et le deuxième, il est vraiment beaucoup plus personnel finalement. Il t'a fait du bien ? C'est clairement une thérapie, quoi. Ça, sincèrement, je sais que beaucoup d'artistes disent ça, mais là, moi, vraiment, c'est quand j'étais face à mon piano, j'étais face à mon psy, quoi. Vraiment, c'était grave, quoi. C'est devenu, je pouvais plus bouger de mon petit studio aménagé, quoi. Je pouvais plus. Bah vas-y, écoute, on va se faire médicaments et on va faire une version qui va faire du bien à tout le monde. Allez. Sur toi, c'est cool. On a besoin de médicaments en ce moment. J'en ai besoin. On me dit que c'est passager. Et si je m'étais trompée de train? C'est vrai, je suis pas âgée. Toujours l'impression que c'est la fin. Promis, je suis pas fâchée. Simplement marre de ramper le matin. Je tire un trait sur mon passé. Casse le crayon, je déchire le dessin. J'ai besoin d'un médicament, je voudrais survivre médicalement. Faudrait médicalement pour dormir sans missile collant. J'ai besoin d'un médicament, je suis désolée, mais si maman. Je me méfie maintenant, mes rires sont moins fréquents qu'avant. J'ai besoin d'un médicament, je voudrais survivre médicalement. Faudrait médicalement pour dormir sans missile collant. J'ai besoin d'un médicament, je suis désolée, mais si maman. Je me méfie maintenant, mes rires sont moins fréquents qu'avant. Je me méfie maintenant, mes rires sont moins fréquents qu'avant. Même la nuit tombe avec moi. On peut faire du skate sur mes cernes. Je casse le miroir quand je me vois. Blessure ouverte, alors je me renferme. Les secondes deviennent des mois. La vie est une conquête de western. Dans ma mâchoire, y'a un débat. Pour savoir qui va craquer la première. J'ai besoin d'un médicament, je voudrais survivre médicalement. Faudrait médicalement pour dormir sans missile collant. J'ai besoin d'un médicament, je suis désolée, mais si maman. Je me méfie maintenant, mes rires sont moins fréquents qu'avant. J'ai besoin d'un médicament, je voudrais survivre médicalement. Faudrait médicalement pour dormir sans missile collant. J'ai besoin d'un médicament, je suis désolée, mais si maman. Je me méfie maintenant, mes rires sont moins fréquents qu'avant. Il me presque comme un citron, je vais finir dans la citerne. En détresse, pimpon, pimpon, comme en rougeur, le teint citerne. On me presse plus vite que le son, je n'ose pas tout foutre en l'air. On me dit des stress, attends t'es con, il te reste plein de belles choses à faire. On me presse comme un citron, je vais finir dans la citerne. En détresse, pimpon, pimpon, comme en rougeur, le teint citerne. On me presse plus vite que le son, je n'ose pas tout foutre en l'air. On me dit des stress, attends t'es con, il te reste plein de belles choses à faire. Ah. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah attends. Merci beaucoup. Quel morceau, quoi. Merci. Bah, j'avoue que je crois que c'est mon petit coup de cœur de l'album. Enfin, on a toujours une chanson qu'on aime bien jouer. Du coup, je ne l'avais jamais jouée. C'est fou parce que, du coup, à cause de tout ce qui s'est passé. Voilà, du confinement et tout, bah, tout s'est décalé. J'ai jamais pu jouer mon album sur scène encore, quoi. En fait, il y a plein d'inédits aujourd'hui. Ouais. Bah, c'est quoi pour fêter ça? On va finir cette belle session en danse. On accueille Boss. Alors peut-être que tu sais pas, mais dans cette émission, à chaque fois, on termine en danse. Ok. Et l'artiste invité nous apprend un petit pas de danse pour qu'on puisse briller en soirée. Ok, trop bien. Bah, Fortnite direct. Ah bah ouais. On est sur les danses Fortnite, là. Ok. Tu vas nous apprendre ça. Attends, c'est comment déjà? C'est comme ça. Moi, je suis une motricité naze. Bah, vas-y, on va essayer. Ouais. Ah non, attends, je l'ai pas. Attends. Ouais, ok. Ouais, oh là. Merde. T'y arrives ou pas toi? Non, je crois que... Je crois que Boss y arrive pas du tout. Mais Boss, il est même pas. Boss, il s'en bat les couilles en fait. Ouais, c'est galère. Ah, c'est galère de fou. Très dur. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.